Ok, donc on va parler de la Soléa, d'accord? Une falsetta pour Soléa que j'ai composée, qui fait extrait de mon dernier album. À l'origine, la Soléa est faite ainsi. Voilà, sur une tonalité de mi, hein, et rythmiquement, qui est composée ainsi. 3, 4, 5. L'originalité de la falsetta que j'ai écrite, j'ai changé complètement la tonalité, je suis parti sur un ré mineur. Et j'ai cassé complètement le rime et je l'ai plutôt pensé en 6-8. D'accord? Et maintenant, on se retrouve avec une position qui est celle-ci. La basse sur le fa. Alors là, j'ai le capodastre en première case, hein, faut pas oublier. J'attaque la basse avec le pouce. Ensuite, avec le pouce, je joue la corde suivante, hein, la corde de ré. Avec l'index, je prends cette corde et je continue avec le pouce. D'accord? Donc ce qui fait. Et ensuite, avec le majeur, je prends cette corde. Ensuite, je reprends l'index pour jouer cette corde, ce qui fait. Ok? Pour avoir cet arpège-là. Et je termine donc index majeur annulaire. D'accord? Et voici mon arpège. Je le refais lentement. En prenant bien l'appui sur la basse à chaque fois. D'accord? Et le petit apport maintenant va être avec l'index, avec ce mouvement. D'accord? La main gauche et avec la main droite, avec l'annulaire, toujours pareil. D'accord? Et maintenant, je reviens avec le majeur. Deux fois. Et là, j'ai mon mouvement. L'interprétation est très importante dans le sens où ce mouvement-là doit être plus faible. Appui rythmique et assis vraiment sur cette basse là. Une fois que j'ai eu cet arpège là, en fait, maintenant ce sont les positions qui vont complètement changer, mais le mouvement de la main droite reste exactement le même. Donc, la position qui est celle-ci. Au niveau de la main droite, l'arpège reste exactement le même. Voilà. Et avec le même mouvement encore une fois. D'accord? Ce qui donne. Ensuite, rythmiquement, avec exactement le même appui. Troisième partie avec cet accord. D'accord? Je le décale. D'accord? Et l'arpège est encore exactement le même. D'accord? C'est exactement le même arpège. Et maintenant, on va se retrouver sur cette position. D'accord? Avec cet arpège. D'accord? Je vais enchaîner les trois.
pour terminer. Sur cet accord. Avec l'arpège simple. D'accord. Avec le retour. Et pour conclure. Deuxième partie. En fait, ça va être exactement le même phrasé en l'augmentant d'un ton. C'est-à-dire tout à l'heure j'étais ici, et maintenant je me retrouve ici. Et c'est exactement la même chose. Lentement. Comme ça, et avec le golpe sur la corde de si, d'accord, je refais une fois.